Dans une série de stories sur son compte Snapchat, l'influenceuse Poupette Kenza a révélé mercredi avoir fait l'objet d'une enquête de la DGCCRF, un service du ministère de l'économie chargé de la répression des fraudes. Les investigations ayant noté que l'influenceuse avait commis plusieurs infractions, elle a été condamnée à 50 000 euros d'amende, d'après un document publié par Poupette Kenza. Contactée par BFM TV, ni la DGCCRF ni la Direction départementale de la protection des populations, DDPP, du Calvados, qui apparaît sur ce document, n'ont répondu à nos demandes de confirmation. Il lui serait reproché de n'avoir pas toujours indiqué que certaines de ses publications étaient des partenariats rémunérés et surtout d'avoir fait la publicité d'un produit interdit en France, des bandes de blanchiment dentaire. Il s'agissait de bandes de la marque américaine Cray, qui contiennent environ 10% de peroxyde d'hydrogène, selon une note de la Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'UE avec les États membres. Or, dans l'Union européenne, les produits dentaires dont la concentration en peroxyde d'hydrogène est supérieure à 6% sont interdits. Ce liquide peut irriter les yeux, le nez, la peau et la gorge, selon l'Agence fédérale américaine de contrôle et de prévention des maladies. Poupette Kenza ne semble pas voir ce qu'elle a fait de mal. Qu'est-ce que j'en savais moi, que Cray c'était interdit, a-t-elle dit sur Snapchat. Cray, c'est trop bien dans tous les cas. Parenthèse ouvrante point 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 parenthèse fermante. Achetez-le mes poupettes, n'importe où, achetez-le, a-t-elle ajouté dans une story qui semble avoir été supprimée depuis. Elle a aussi fulminé face au montant de l'amende, des gros voleurs, j'ai les nerfs, c'est du vol. Je suis bien contente de partir et vous donner zéro impôt, vous m'avez bien pouillé avant de partir. La jeune femme de 23 ans est partie cette semaine s'installer à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Tout cela avant d'affirmer que cela ne lui fait rien, là ça m'a énervée, mais en vrai je m'en fous, c'est pas mon fils, c'est pas ma fille, c'est pas la santé, c'est de l'argent, donc, pas des choses très graves. Il s'agit, selon les documents publiés par Poupette Kenza sur Snapchat, d'une amende transactionnelle. Autrement dit d'une alternative à des poursuites pénales, avec l'accord du procureur de la République, la répression des fraudes peut infliger une telle amende afin d'éviter que la personne ayant commis l'infraction ne doive passer devant le juge. La personne visée peut refuser ou accepter cette transaction. Comme le souligne la DGCCRF sur son site, le refus d'une transaction financière expose à une amende plus élevée et à des poursuites. Poupette Kenza a fait savoir qu'elle avait refusé cette procédure. C'est la première fois depuis 2021 qu'une telle amende visant un influenceur est rendue publique. En juillet 2021, la DGCCRF avait annoncé le paiement par Nabila d'une amende transactionnelle de 20 000 euros. Elle avait fait la promotion d'une formation au trading sans indiquer qu'il s'agissait d'une publicité et avait assuré qu'elle rendait possible la récupération systématique de la somme investie, minimisant les risques de perte d'argent. La répression des fraudes a augmenté cette année le nombre de contrôles d'influenceurs, a-t-elle affirmé la semaine dernière à bfmtv.com. Elle a notamment rendu publique une dizaine d'injonctions à cesser des pratiques commerciales trompeuses, que les influenceurs doivent eux-mêmes afficher sur leurs réseaux sociaux.